Et troisième, dernier, troisième, aucune question pour vous. Pas de question pour nous même si on aime. Mais c'est ça la fin de la. Si on aime, non, pas répondu. Si on aime, même cap souffri là. Ouais, même senti cap souffri. Et qui me fait mal pour lui, va essayer. Il pas perdu, non. Il y a deux coups le prend là, avec deux coups de bons amis de Bali. On pense que ça fait mal. À savoir. Jean Mouna. Jean Mouna. Avant de dire des ordres. Et pas des ordres. Jean Mouna, t'es parlé. Qui t'aime pas le parler. Effectivement, question. Jean Mouna, c'est beaux amis en ligne. Regarde ça le fait. Nègre des sous là. Pas des sous. Nègre Léogan qui est en prison. Anthony. Anthony, c'était beaux amis. Jean Mouna. Anthony des sous. Non, Anthony Dumont. 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 Non, D.A. et Dumont. Oui. Zach, monsieur posé. Toutes ces amis. Zach, monsieur posé avec quelques amis. Il est embarrassant pour monsieur. Ouais. Ouais. Bon, lui-même avec bah, là c'est caleçon avec l'autre là en parlant de espérance comme si course à alors Jean non absonné là il mettait l'opposition là qu'il bat qu'on voulait sortir dans le deux gros coups non mais ça qui me devait retenir est-ce que Pierre Espérance jeune bâton Pierre Espérance jeune bâton moralement qui est jeune bâton oui bon calme moral qui tombe sous Pierre Espérance. Non, il va caser. De vous, je fais des classes, je rétablis les faits. Ou pas comment ça passe. Non, attendez. Mais pas moral qui crase mon site. Non, non. Fais attention. Zami Bamzou, moi-même, moi, je dis ça. Première fois. Prochaine fois. Pierre et NDDH mettent ton dossier sous un monde. Ou après que Moun ça a metté face à la réalité. Non, regardez pour nous. Vous ne pas faire politique. Je sais, c'est pas moral qui crase mon site. Oh, NDDH, c'est rapport sous mon encore. Non, on va acquérir les faits de couper ici. C'est comme ça. Est-ce que tu connais faire découper? Faire découper? Il y a le recyclage. Donc, au moment, mon site c'est récupération qui a sauvé. Donc, on nous lit l'état. On s'est vraiment au côté de l'Hélène Calais, frère. Ça, c'est. Après 17 ans de service de RDD. Il fait signe, bon. Tout ça. Voilà les noms. Et monsieur Pierre Espérance, alors ça, c'est l'être l'Hélène. Et il y a mon gars à l'étranger qui peut comprendre. C'est pays glissé, on ne peut pas le tomber. On va faire ok, on va rappeler ça. Port-au-Prince, le 3 mars 2017. Allez, non. Attention, il n'y a pas. Oh. Encore l'oubli. Voilà. En France, c'est l'écrit. Il y a de la corruption là, en tête. Port-au-Prince, le 3 mars 2017. Monsieur Pierre Espérance, directeur exécutif, Bureau national de défense des droits humains. RNDDH. Monsieur le directeur exécutif, je vous remercie de m'avoir offert l'opportunité de travailler à vos côtés comme assistante responsable de programme du RNDDH. Mais, toujours combien, je me vois aujourd'hui dans l'obligation de vous présenter ma démission. Cette démission prend effet dès réception de la présente. Les rumeurs de corruption qui se sont révélées vraies entachent irréparablement l'image de l'institution, réduisant ainsi à néant cette autorité morale que nous avions su gagner au prix fort. Et madame n'a qu'à parler toujours. Faut dire c'est on téléphone ou appeler le tout. Oui, non, parce que. Non, on ne peut pas parler sur papier. C'est ça. De temps en temps, je ne saurais me faire complice de vos agissements, ni non plus, c'est ça, Mrile Kalai, ni non plus jeter ma crédibilité et mon honnêteté à la poubelle de votre irresponsabilité. Tenez bien. Les lapins qui l'ont compte, ça n'a pas dit. Pas au lieu clair. Et son monde qui compte créole lui depuis la radio classique. Une institution qui fait de la moralité et de l'éthique son cheval de bataille doit être au-dessus de tout soupçon. Oui. Pas de yonou ou nous. Pourtant, vous aviez sollicité et ou accepté des subventions que vous auriez dû refuser. À titre d'exemple, celle accordée par la Digicel, une compagnie de téléphone, historique, une compagnie de téléphone privée. Stop, stop. Pour nous comprendre, parce qu'on est François Abli, ça dit que. T'es déjà bon cas. T'es déjà bon cas Digicel. Oui. Que Pierre prend, Digicel. Oui. Ok.
récemment. Mais la construit. Pointé du doigt. Nous allons subir une soirée. Comment nous contrôlons? Et par contre, il y a ça qui me dit on était dans LDDH. Parce que nous avons besoin de LDDH. Et pas oublier que depuis privé monté, m'a relé, m'a sonné. Sonnette d'alarme, vous me dites, RNDDH, pas de instrument politique ou pour l'île la frère. Continuez, l'île. Comment ça nous dit, c'est la moins. Hein? Ok. Y a ici. Une institution qui fait de la moralité, ma pour lire paragraphe là. Qui fait. Je vais rappeler plus tard. Une institution qui fait de la moralité et de l'éthique, son cheval de bataille, doit être au-dessus de tout soupçon. L'hypatia a l'idée ça. Pourtant, comme exemple. Vous avez sollicité et ou accepté des subventions que vous auriez dû refuser. Je ne vous dis rien. À titre d'exemple, celle accordée par la Digicel, une compagnie de téléphone privée, récemment pointée du doigt pour tentative d'influencer les résultats des dernières élections. Oh, moi c'est le droit d'abord de dire ça. Le droit de continuer. Non, la fête commune. C'est dans quatre lettres là. Lui. Et dans les quatre jours après. De plus. Mettez. Deux points. De plus. Allez. Comment le NDDH pourrait-il continuer à demander à des entreprises ou à des organisations de se mettre en règle avec le fisc? On était à Djibouti, ça veut dire que Madame Gilles dit que là, Pierre Espérance a choisi depuis 3 ans pour ne pas payer taxes. Elle peut comme la soumoune. On avance. Et Mazé Alphé. On avance. Non, historique là, c'est que l'explique la radio. Là, elle paye pour le cabine une plaque ou machine ou bien vignette quelque part. Il y a deal depuis 3 ans, elle ne déjà pas payé. Il y a fait le temps avant où tu as le papier ça. Okay. Il dit ça dans la radio. Si on le fait même, j'ai à payer un seul coup 3 ans. Et de ne pas honorer. On va de fiscal, lui. On l'autre cas encore pour on a. De ne pas honorer vos engagements, ou les engagements, vos engagements envers l'Office national d'assurance vieillesse, ONA, alors que. Prélèvement est effectué régulièrement sur nos rémunérations. Mais ça veut dire. En termes de l'option de la secteur. Qui t'entendez, nous, moi-même, je ne vais pas le faire. Dès que vous êtes secteur privé, vous avez travail, vous supposez cotiser dans l'ONA. Patron baille 6% pour vous. Oui, il y a 6%. Il y a 6% dans le salaire, pas. Ça veut dire que vous prélevez 6% dans le salaire. Tout le monde est dans RNDDH, 6% est supposé à jouer ONA. Il parle jeune ONA. Ou bien le Poco. N'a pas cherché côté de lui. Mais le Poco en bas. Mais le chercher. Si vous sentez côté de lui. Si vous sentez en bas. Comme si c'était une dérive de trop. Comme si ce n'était pas une dérive de trop. Elle dit ce qu'on demande. Vous aviez poussé l'outrecuidance jusqu'à accepter d'une institution étatique, en l'occurrence le bureau de monétisation des programmes d'aide au développement BMPAD, au moins un chèque, au moins. Ah oui, ça des fois, c'est quand même écrit. Au moins. Là, bon doute. C'est ça. Au moins. Et ça, quand même, dit, est-ce que c'est premier ou bien hier? Et ça, loué. Force seul, pas d'accord. Ok, vous pas d'information. Bon, d'accord. Un chèque 2,5 million gourdes. Comment c'est là au moins, mon avis? Au moins. Un chèque 2 millions, tenez-vous bien, 500 000 gourdes, li en lettre, li en chiffre. N'êtes-vous pas au courant, monsieur le directeur exécutif, que cette institution est décriée pour être une mangeoire attirée des corrupteurs et des corrompus de tous bords? Monsieur Samson, non, ça c'est... Où aviez-vous sciemment... Ça a pris du tout, frère. Mise en veilleuse, la retenue morale et éthique que cette équipe s'était jusqu'ici imposée. Yeah. Est-ce que vous avez oublié les jouettes là? Bon, ouais là. Non, une deuxième partie? Je connais. Ouais là, bon, suspension. Ouais là. Suspension. Ouais là. 1,500 gouttes. 1,500,000, on va retirer. 1,500,000. 300 000 dollars ici. Beaucoup de dollars. Ça veut dire que
Gon te wote pou an, li vou mons ki sa. Gon ki sa? Gon te wote pou te di wou pou an, li piske, li mwen zite, li balante kop sa. Mwen kontine, kontine, mwen vin apel la. Ok, e sa kem nou pou konsoti nan NDDH. Nan prete nan prosedu NDDH, e komportement, chak moun ki, wase ge kak moun ki. Sa nou, sa se lom, mwen ap denonso, mwen ap defon vole. Mwen sa va bon? Sa ki sa, mwen bremen ki moun? Yo te zi wou vole te, sa. Yo vole te, la la te ya? Le 17 février 2017, face aux interrogations de trois membres du NDDH, il y a trois membres qui ont posé question de NDDH, vous aviez laissé Ezelamdou, comme s'il était menti et puis qu'on a. Les reprendre. Ça, son valeur là, quand on monte, l'autre va remonter pour venir la vérité après. Non, puis prendre. Toujours son volet quand on monte. C'est bon, Zip, bah là, bon, Zip. Non, mon cher. À l'avance, vous m'avez. À l'avance. Si premier a été passé. Oui, elle va passer. Ok. On dit, historiquement, le 17 février 2017, face aux interrogations de trois membres du RNDDH, donc administratrice là, Vilessa Lisa et puis Yolène Gilles, et du RNDDH, vous aviez laissé croire que l'histoire du chèque du BMPAD est totalement sans fondement. Frère. Ça veut dire que trois mouns en discussion, oui. Parmi madame Gilles, à l'côté, il dit ça que la vérité dans le chèque. Il dit non, mais sans fondement, il n'y a aucun chèque. Non, et là, elle a parlé de Marie-Gesley Damas, Jean-Pierre, qui est administratrice. Elle a parlé de Marie-Olaine Gilles. Mais nous, ça va connaître. Là où elle est plus personne au jeune. Le résultat. Il a parlé de Vilain Salisa. Ah, ça va connaître ce chèque-là, là, tout. Ok. Et Samzou, on va passer dans un site. On connaît. Eh, totalement sans fondement. Je ne vais pas ça. Pire encore. La mettre tout ça. La mettre tout ça. Une minute, oui. Vous aviez poussé votre perfidie. Bon, ça, ça, il est perfidie comme deux mounes. Ça, perfidie. Les alodes. Votre perfidie. Ok, des alodes. Des alodes. On va mentir pour en cacher en bâtiment. Audace. En bâtiment. Je cherche. La guerre de toi, mon nom. Ruizèze. Femme de toi, mon con. Mesdames. Vous t'écoutez, cherchez de toi, mon nom, pour qu'on puisse dire. Chami. Miaou. À l'extrême, en envoyant une correspondance le 20 février 2017 au directeur, ils ont dit à Mano. C'est pas la grave, là. Au directeur de BMPAD sollicitant des informations. Sollicitant des informations. Pourtant, vous aviez personnellement reçu le 10 chèque. Ah, mais le 10 ça, non? Non. Même signé. Le 10 chèque. Signé. Oh non. Le 10 chèque. Chèque à Paléa. Et même signé l'avis de réception. C'est-à-dire que non, il était fait des matchs là et puis signé avis de réception. Personnellement, monsieur. Réponse là. Monsieur le directeur exécutif, ça, c'est mon vous êtes plus c'est que parjure. Vous faites du parjure ça, monsieur. Non. Elle dit ou bah il menti ou son bâtiment ou son recelé. Risez, bien audacieux. Ou prend bah là et boit ou cache le. Son mensonge qu'il est pratiquement. Machin de lettre. Oui. Ozikap, machin de lettre. Il était téléphone dans le poche du bon point. Vous êtes plus que parjure en acceptant de patauger. Ça a dit. Ah, okay. Patauger, c'est où elle est tombée dans la boue. Bon, tout comprend. Tout comprend. Dans la boue. De la boue immonde, là, dit le senti. Immonde de la corruption que vous étiez censé dénoncer et combattre. Mais là, il en fait quand comment ça, dit, ça veut dire que, monsieur, regardez, c'est le cochon qu'on fait ça. Oh. Mais dans la boue, non, c'est ça, oui, dans la boue immonde. Faut pas faire ça. Non, on va gagner. On va gagner. On va gagner. Non, on limite. On va gagner comme si, monsieur, un personnage. Comme si. Tout a dit mon cochon, mon cher. Non, ça a dit babou, cochon babou. Non, enlevez-moi, Amandou. C'est pas moi qui dis pas. Monsieur le directeur exécutif, vous êtes plus que parjure. En acceptant de patauger. Patauger, vous n'allez pas comprendre, non, Mando. Non, mais. Oui, patauger. C'est pas vol au bras le voler dans la pluie. Qui qu'on a patauger dans le sucre, qui qu'on a patauger dans l'air. Dans la boue immonde de la corruption dans la boue, monsieur. Que vous étiez censé dénoncer et combattre. Démettez quoi, vous, Salif? Je suis certes. Alors, on bémol. Je suis certes éclaboussé. Ça veut dire, vous tombez dans la boue et vous voyez.
La bousse moins tout. Je suis certain éclaboussé par ce scandale, mais jamais par vous, je ne me laisserai entraîner dans la fange. Ça veut dire pas traîner dans la boue. Mais tu la connais déjà, non? Non. Madame Dante Pachel, elle crie, oui, sous signal FM. Je fais aujourd'hui le choix qui s'impose pour garder les mains propres. Ça a l'air, lui. Après 17 ans. Et le cœur léger. Son team, il est petit, il est parent. Je descends de la barque. Je descends, machine. Descends, bateau. Au nom de la moralité et de l'éthique, s'il vous, s'il vous en reste, je vous invite. Ah, c'est l'évangile que tu dois faire, moi, m'a fait le bruit. Et dans le monde, moi, à vous, ressaisir, en convoquant, dans le plus bref délai, une assemblée générale, pour tenter de sauvegarder les acquis du RNDDH, s'il est encore possible. Si ma connerie tout. Je vous prie, monsieur le directeur exécutif, de recevoir mes patriotiques salutations. Marie-Hélène Gilles. Salut là pour ça. Signature, hein, salut. Non, c'est les lettres. Et copie conforme, CC, à Marie Gessly Damas Jean-Pierre, administratrice. CC encore Villes Alizar, responsable programme avec S. Ça veut dire que il pas qui pas qu'il y a dans le bâtiment qu'on y a là. L'Hélène ou bien Pierre? L'Hélène démissionnaire. Démissionnaire Pierre, mais c'est après avec l'organisation. Non, mais il faut le balton pour faire le tout en donne. Il y a des films faits, les tapis. Moi, j'ai fait en général. Je vais l'Hélène chez moi là. Moi, mais l'être là. Peut-être là bon? Hélène chérie, maman.